Des garagistes d'Achicourt aux petits soins pour la Batmobile, une réplique unique en Europe, elle mesure 6 mètres de long. Ils en rêvaient sûrement quand ils étaient petits. Des garagistes d'Achicourt près d'Arras ont été choisis pour réparer la Batmobile. Et oui, il s'agit d'une réplique unique en Europe, de l'original créé pour le film Batman en 1989. Alors comment la Batmobile s'est-elle retrouvée dans ce garage du Pas-de-Calais? Réponse avec Maxime Rochard et Jean-Marc Vasco. Nous ne sommes pas sur la route 66 et encore moins dans un studio de cinéma hollywoodien. Pourtant, vous ne rêvez pas, au milieu de tous les bolides de ce garage près d'Arras, trône une Batmobile. 6 mètres de long pour une tonne de fibres et un fuselage unique, la réplique officielle du Batman de 1989. En fait, c'est parti d'une blague sur Instagram avec le collectionneur et on lui a montré un peu ce qu'on savait faire. On lui a montré les véhicules qu'on avait déjà fait. On avait déjà fait des véhicules pour d'autres amis à lui. Et du coup, là, on se retrouve à bosser sur la Batmobile, ce qui est inespéré, quoi. Donc ouais, c'était une blague. À la base, c'était clairement une blague. Maintenant, il faut assumer. Le but, la faire rouler à nouveau. Nos deux fans de cinéma sont aussi des inconditionnels des voitures, surtout américaines. Du coup, ici, on a une Catalina de 1969 avec une restauration moteur complète. Le moteur vient d'être sorti ce matin. On a une Mustang 69 en restauration complète. Donc, c'est une réplique d'une grosse production hollywoodienne. Et ici, vous pouvez voir un début de restauration sur une Cox de 1972, qui est une voiture familiale. À l'image du duo, dans ce garage, style et créativité priment, mais pas seulement. Bah, ce que j'aime quand je vois sur ce genre de bagnole, c'est que c'est la simplicité, la mécanique d'antan. Il n'y a pas de plastique, c'est de l'acier, c'est des matériaux un peu plus nobles que maintenant. Donc c'est ça qui me plaît en fait, c'est la simplicité et puis ça change vraiment des véhicules de maintenant. Mais ces bolides sont souvent très exigeants et les pièces difficiles à trouver. Les amis peuvent passer des centaines d'heures à retaper une voiture. Des fois on a des belles histoires et on essaie de redonner vie à ces histoires et d'avoir la joie, les étoiles dans les yeux des clients quand ils reprennent leur voiture et qu'elles roulent comme il y a 10, 20, 30, 40 ans. Redonner vie à une histoire pour faire rêver d'autres passionnés de voitures ou de science-fiction.